Salut les passionnés, ici Pierre Détecteur. J'ai trouvé un chemin, j'ai galéré pour le trouver. Comme vous pouvez voir, là en face il y a un champ. Et là c'était comme ça, j'ai dit tiens je vais continuer pour voir, j'ai continué. Et je m'en retrouve dans ce chemin qui descend apparemment, je ne sais pas s'il descend plus bas. Mais bon, on va voir, on va essayer pour voir. Et il y a un son, il y a déjà un son. Un son pas terrible, mais un son quand même. Voilà. Ouais, mais un son. Je vais sortir le pinpointer, c'est mieux. Attendez, j'arrive, je vais sortir le pinpointer. Hop. Désolé pour le filmage. Voilà. Ouais, là quelque part là. Ah là. Là ici là. Ah. Bah, c'est une monnaie déjà, ça commence bien. Ouais. Bon, c'est ma première découverte. Hein, parce que j'ai galéré. Ah bah c'est un franc. J'ai galéré pour. Bah pour trouver un chemin en fait. Hein, parce que ça j'avais déjà fait. C'est toujours le même bois. Hein. Et ben c'est un franc 1968. Et ouais, 1968, les amis. On va la nettoyer tranquillou. Allez, j'arrive. Me revoilà. Et je vais la poser. Je vais la poser sur une pierre. J'arrive. Et voilà la petite découverte, magnifique pièce qui s'est bien tenue dans le temps. Une pièce d'un franc 1968, magnifique. Elle est superbement bien conservée. 68. Ah, il y a un petit truc là. Et voilà. Regardez. Elle est très 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 belle. Voilà, 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 voilà. Toujours dans le même bois, mais là je suis loin, hein. Je suis allé assez loin. Comme je vous dis, j'ai galéré pour trouver un chemin. Et finalement, j'en ai trouvé un qui descend. Là, donc, je vais continuer pour voir ce qui se passe. Allez, regardez bien. Première découverte. Un franc 1968. Et là, il y a un son. Il y a un son. Ici. Je ne sais pas ce que c'est. Ça sonne un peu, là, un peu ferraille, là. Et un peu de pierre en tout cas. Regarde si c'est sorti. Ouais, sorti. Bon, je veux dire que ce matin il caillait un peu là. Et là, ça s'est réchauffé un peu. Alors. Regardez ce que c'est. Non, oh, bon, je galère. Je galère. Ah. Ah, c'est tombé. Là, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Là à côté hein, de la monnaie un franc, hein, pas loin en fait. Et bah c'est un. On dirait un sifflet. Ah ouais. C'est un sifflet en fait. Bon bah on va la nettoyer. Ouais. Allez, c'est parti. On pose et puis on nettoie. Allez, j'arrive. Bon, allez. Sorti le papier et la brosse. Ah, il y a du vent. Ouais, le vent il souffle là aujourd'hui.
Ouais, bah c'est ainsi fait. Ah, il est beau, hein, magnifique. Il enlève un peu la terre qu'il y a dedans. Ah merde. Bon, je crois pas qu'il marche encore. Je vais le nettoyer bien à la maison. Parce qu'il est... Ouais, il est rempli de terre là. Ouais. Bon, allez. Voilà. Allez, on va le nettoyer, on va le poser. J'arrive. Et voilà la bête, les amis. Voilà la bête. J'ai nettoyé avec mon couteau aussi, je ne l'ai pas fait voir. Et voilà, regardez, magnifique. Il y a encore la petite boule. Hein. Je ne sais pas si on la voit, la bouboule. On la voit là, vous voyez. Et voilà. Deuxième découverte, les amis. Un superbe sifflet. Magnifique. Magnifique découverte encore une fois. Allez, on continue les recherches. Surtout ne pas hésiter à. Moi j'hésite pas, hein, je fais carrément, j'enfonce le détecteur là-dedans là. Je fais les parois, parce qu'on ne sait jamais, il peut toujours avoir quelque chose. Les gens ils peuvent cacher des choses. Enfin cacher, c'est bien un grand mot. Hein. Mais en tout cas, le chemin il continue. Hein. Pour l'instant. Allez, à tout à l'heure. C'est super beau hein, ces champignons. Et ben il y a un son ici là. Sous l'arbre, sous le tronc d'arbre, et je sais pas si je peux le bouger. Regardez si je peux le bouger. Ouais, c'est bon, j'ai bougé un peu. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça sonne ferraille. Ça a l'air de sonner bien. Bon, le terrain, il est un peu caillouteux. Hein. On va regarder si c'est sorti, on sait jamais. Ouais, ouais, c'est sorti, là, ça y est bon. Putain, ça a l'air d'être un son assez fort quand même. Voilà. Là. Dans la main. Ferraille peut-être. Ah ouais, une ferraille. Une petite merde. C'est une merdouille. Une merdouille qui sonne bien en plus. On va regarder quand même, on sait jamais. Hein. J'arrive. Ouais, c'est une ferraille en fait. Je crois que c'était une monnaie. Bon bah tant pis, allez on continue. Là, sur le bord. Il y a un son bien... Ah, je vais monter là-haut pour voir s'il y a quelque chose. Mais là, je vais faire ce son avant. Là, j'ai cherché ma pioche là. Ah, les chemins, ça pardonne pas. Hein. Les chemins, ça pardonne pas. Ouais. Alors, c'est sorti. Ouais. Ouais, c'est là. C'est quelque part là. Ah bah j'espère que le chemin il va loin alors. Si on dit on trouve, si là on trouve déjà des découvertes. Là c'est dans la main. Là c'est dans la main. Ah j'ai perdu. Ah là, là. Ah, regardez. Ah c'est un pendentif. Oh. Oh, il est magnifique! Wow! Ah, il est beau!
Ah, je vais le nettoyer, j'arrive tout de suite là. Attendez, j'arrive, je vais le nettoyer. Là, je passe avant. Ah, il est magnifique celui-là. Allez, on va nettoyer. Je l'ai mis en hauteur le portail, j'espère qu'il va pas tomber. Hein. Oh, regardez-moi. Oh là 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 là. Eh, on dirait de l'argent. Hein. On dirait un pendentif en argent. Ah, il est bien conservé. Bon, bah, c'est qui ça? Ah, il est magnifique. Eh ben, je vais lui mettre un coup de chiffon. J'arrive. Et voilà la bête. Regardez-moi ce pendentif. Magnifique. Oh, c'est pas de l'argent, je vous dis tout de suite. Je crois pas. Et quand bien même, c'est une sublime découverte. Alors, si vous avez un commentaire à mettre sur cette découverte-là, parce que moi, je connais pas du tout. C'est qui? Ah, elle est belle. Allez, mettez-moi un commentaire là-dessus, là, s'il vous plaît. Elle tombe pas. Hein. Super beau. Franchement, super beau. Allez, on continue. Là, je suis monté sur le talus. Là où j'ai trouvé. Vous voyez en bas où j'ai trouvé la. Vous voyez le tronc d'arbre là? Où j'ai trouvé la médaille. Là, je suis monté sur le talus. On sait jamais. On peut toujours trouver quelque chose là, ici dans le coin. Là. Bagnette. Et nada. On va fouiller partout. Bon, et ben ici il n'a rien. Ici il n'a rien du tout. Il ne reste pas se casser la gueule. Ben, ici là, vous voyez, il y a un champ là, regardez. Voilà, bon allez, continue. Là c'est un ravin qui est en bas. Bon, il y a un son là. J'ai dégagé un peu les feuilles, un peu creusé, mais j'ai pas encore trouvé alors. On va y avoir. On va bien voir ce que c'est. Désolé si vous voyez pas tellement bien. Hein. Allez, on va regarder si c'est sorti là. Tranquillou. Ouais, apparemment, ouais. Ouais, c'est la queue de part. C'est la queue de part ici caché. Hop. Dans la main. Et puis je l'ai vu. C'est bon. Allez, hop. Et ben, c'est comme une monnaie. Hein. J'ai pas fait beaucoup de mètres en plus là. On va y mettre un coup de brosse là. On va y mettre un coup de brosse et j'arrive. Allez, ben voilà. Voici, voilà. Pilote, détecteur. Oh bah ben, elle est rincée. On dirait qu'elle est rincée là, la monnaie là. Ouais. Rien à en tirer, hein. Ils sont à l'épaisse. Ouais. Oh, va être avec un chiffon, peut-être. Ouais, elle est trop abîmée, là. Ah, j'arrive, je vais être avec un chiffon. Bon, ben, malheureusement, elle est rincée. C'est mort. On voit rien, c'est foutu, quoi. On voit que dalle de chez que dalle. Fichier. Peut-être un Louis hein, avec des briquettes. Allez, on va dire lui avec des briquettes. Bien épaisse, c'est un Louis avec des briquettes. Mais en tout cas, elle est morte. Oh, c'est chiant ça. Bon, allez, on continue. Je suis remonté sur le talus. Dès que je peux monter sur le talus, je monte sur le talus. Et ben, il n'y a rien du tout. Encore un trou ici, là. Sur les talus. Il y a eu. Le chemin, il est là, juste devant vous, là-bas. Je vais vous le faire voir. Voilà.
Le chemin il est là. Et là, on s'en va par là. On dirait qu'il y a une rivière même. Bon allez, on continue un peu le talus, on va voir si on trouve quelque chose. Là, sur le talus, un petit son. Vous voyez, ça, c'est tout ça, c'est le talus, tout ça. Et là, derrière, il y a le champ. Et là, il y a un son. Là, il y a un son. Il y a un petit son. Oh la vache, il y a des racines. Il y a des racines. C'est pas de la bimétro. Ouais, ça va peut-être bon d'être sorti, non? Ouais, c'est sorti. Alors. C'est dans la main. Toujours dans la main. Ouais, là, c'est bon. Ah, c'est une... C'est quelque chose, en tout cas. Bon, bah, on va nettoyer. Ouais. Il arrive. Je vais nettoyer. Ah, ce sera peut-être la dernière découverte. On va regarder ça, on verra voir. On va voir. Et ben, c'est mort. Encore une monnaie morte. Vous voyez, on voit même pas ce que c'est. Elle est foutue. Le terrain il est trop acide là, comme on a dit une fois. On voit même pas ce que c'est, dis donc. Bon, on va continuer sur le talus pour voir ce qu'on trouve. Allez, c'est parti. Là elle a un son et j'ai eu du mal à le trouver parce qu'en fait il est très 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 minuscule. Ouais, il est là. Avec le pied pointeur, j'ai eu du mal aussi. C'est quoi ça? Ah oh bah c'est un bouton. Bah on va regarder ça. Allez, j'arrive. Ça serait peut-être le dernier son. Hein. Je vais voir le bout du chemin, comment ça se passe. Et j'arrive aussi. Bon, voici le bouton. Tout minuscule. Ah, j'ai eu du mal. Hein. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, on voit rien. Hein. Un canon en travers. Ouais. Et c'est bien un bouton, vous avez vu. Bon, bah allez, on continue un petit peu. Et peut-être que ce sera la dernière couverture parce que le chemin, il commence à devenir bizarre. Voilà. Ça... Et j'ai vu qu'il y avait un autre chemin à l'autre côté, là, à gauche. Mais hein, ça doit être des chemins de chasseurs, ça, sans doute. Mais je vais voir, je vais faire encore un peu là et après, on va regarder les petites découvertes. Allez, à tout à l'heure. Ouais, regardez comment il se termine, le chemin. Et, plein de petits arbres. Il y a une rivière en bas. Et impossible de faire, impossible de passer le détecteur. Bon, je vais voir encore un peu plus loin pour voir. Allez, j'arrive. Bon, là, j'ai passé les super petits arbres. Là, il y a une sorte de mare. Mare. Et là, le chemin, il continue apparemment. Et là, j'ai trouvé une sorte de poignée. Une poignée cassée, en fait. On va le nettoyer pour voir. Bon voilà, alors j'ai mis toutes les petites découvertes de 2h, 2h30 plus ou moins. Et je suis allé voir là-bas, le chemin s'arrête où il y a le petit tronc d'arbre là, qui brille là, celui-là. Donc là, le chemin s'arrête là, mais ce qui serait bien, là j'ai plus le temps du tout de faire un peu là, tout ça là, cet endroit-là, là. Ici, là j'ai arrêté là en fait. Et faire quelques, ouais, faire les abords peut-être. Ah, c'est pas dit qu'il y a quelque chose. Hein. Le chemin, il y a peut-être un chemin qui continue là-bas, mais moi j'ai repéré un endroit au-dessus. Au-dessus, il y a un petit chemin qui passe par au-dessus là. Là. Au-dessus, qui s'en va encore plus loin sans doute. Ouais, bah, je reviendrai faire un peu là, hein, voir s'il n'y a pas quelque chose. Mais en tout cas, regardez, la dernière découverte, c'est quand même bizarre. Voilà. Une poignée. Une poignée, ça sonne pas plus, de toute façon, ça sonnait pas plus. Au début, je crois que c'était une poignée de coffre. Une poignée de petite caisse. On sait jamais, là. On trouvera une petite caisse cachée dans le coin, mais bon, ça m'étonnerait. Bon, voilà, ça, c'est la dernière découverte. Voilà, cette petite poignée.
Elle a eu ce sifflet, il a eu ses deux monnaies, mais alors là, elles sont rincées, elles sont mortes de chez mortes. Franchement, on peut rien faire avec ça. Et ce petit bouton, alors je sais pas si vous avez des commentaires dessus à mettre. Cette monnaie d'un franc, mais super bien conservée, 1968, hein, 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 68, hein. Ah, n'est-ce pas? Et cette super, ce super pendentif, franchement, il est magnifique. Il est tout beau, tout beau, tout beau, tout beau, tout beau, tout beau, tout beau. Il est sublime. C'est peut-être, je sais pas ce que c'est comme métal. Mais en tout cas, il est magnifique. Sur ce, les amis, bah écoutez, moi, je vous dis à la prochaine fois. C'est magnifique comme ça. Je reviendrai là. Voilà, je reviendrai ici. Peut-être que je passerai par là, mais à mon avis, on s'éloigne trop. Hein. Et on s'éloigne trop de la peuple, du peuple. Mais bon, qui dit mars, dit peut-être qu'il y a des gens qui venaient. Hein. La preuve, il y a une poignée. Bon, allez, sur ce, les passionnés, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, avec Pirate Détecteur.